Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Sous les majors, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct, partagez le direct. Salut à toi, ma très chère petite sœur Anita Sambou, depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez massivement ce direct. Parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à une personne qui, depuis un bon moment, ne fait que se concentrer sur la politique ivoirienne et qui tente à chaque fois de diffamer certaines personnes à qui le président Ouattara, le premier ministre Patrick Hachi ont eu confiance pour leur confier des missions. Et qui sort et qui trouve que tout ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Mais il faudrait que je vienne lui rappeler quelque chose. Déjà, sur le fait que ce qui n'est pas normal, là, je ne vais pas te répondre sur ça. Mais je te préviens en même temps, Saïd Panda, si tu as tes gars qui sont connectés sur ce direct, aujourd'hui, toi et moi, on va s'affronter déjà deux fois. Et je te dis, on est ensemble jusqu'à la fin. Parce que je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter. Parce que trop, c'est trop. Si c'est Mohamed Aboubacar, salut à toi. Mon neveu, Cheikh Oumar Sanogo, salut à toi. Si c'est Falak, salut à toi. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez massivement ce direct parce que on va se dire la vérité. On va se dire la vérité parce que mon cher frère, Patrick. Saïd Panda, peut-être que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais comme tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi je vais te rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que tu as tenté surtout les DG en Côte d'Ivoire, les gens se sont assis pour te regarder. Mais je vais te dire, va te renseigner bien. Nous là, on vient du Bafing. Cette fois-ci là, tu es arrivé sur une fille du Bafing. Et tu penses que tu vas prospérer en racontant des bêtises. Mais cette fois-ci, Saïd Panda, il faudrait que tu reconnaisses d'abord une chose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas au niveau aujourd'hui du Cameroun. Je pense que si aujourd'hui, il y a un pays entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun où il y a plus de problèmes, ou même des bandits, des voyous, ou aujourd'hui, s'il y a un pays entre la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, où il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de gouverner le Cameroun depuis plus de 40 ans, les sujets dont tu dois parler, tu peux aimer la Côte d'Ivoire, tu peux faire tout, mais je considère que ce qui est normal, que toi, un Camerounais, tu ne puisses pas aimer la Côte d'Ivoire que ton propre pays. Il faut d'abord aimer le Cameroun plus que la Côte d'Ivoire. Comme moi, le Zoulou de Bogota, regarde bien, tu ne vas pas trouver un Ivoirien qui allait s'asseoir au Cameroun et qui s'intéresse de la politique du Cameroun, ça n'existe pas. Tu ne vas pas aller trouver un Ivoirien qui a décidé d'aller s'asseoir au Cameroun et qui s'intéresse à la politique du Cameroun. Ça n'existe pas. Mais pourquoi, je me pose la question de savoir, pourquoi vous, en tant que Camerounais, vous voulez aimer la Côte d'Ivoire plus que votre pays? Parce que dans la réalité, je ne pense pas que c'est votre droit. Quand toi, tu viens t'asseoir et tu prends, ça dit que tu as fait des mois ici et des mois. À chaque fois, c'est toi qui sais quel DG qui est en train de bien travailler dans le pays, quel DG qui ne travaille pas bien dans le pays. Cette dame aujourd'hui que tu es en train d'attaquer, la DG, cette dame aujourd'hui que tu es en train d'attaquer, Mawa Bamba, épouse Touré, celle aujourd'hui qui dirige la RTCI. Mais je vais te dire, Saïd Panda, depuis quelques jours, je te regarde. Mais ce que je vais te dire, et je vais profiter ici pour interpeller tous ceux qui travaillent dans la direction de la RTCI, là. Vous qui êtes cachés derrière Saïd Panda, là, je vais vous dire, j'ai vos noms ici, hein, mais je vous dis, aujourd'hui, là, je suis d'abord venu dire un bonjour à Saïd Panda. Je suis venu te dire d'abord un bonjour. Parce que quand toi tu viens t'asseoir et puis tu dis que cette dame-là a pris son petit frère pour travailler à la RTCI,
Je me pose la question de savoir, toi, ton Cameroun qui est dirigé presque pratiquement par un village. Il y a quelqu'un qui me dit ici, laissez le monsieur là en train de faire ses investigations. Dans son propre pays, là, il n'a qu'à aller là-bas, il va aller faire ses investigations. Il a eu raison dans quelle chose? Il a eu raison dans quelle chose? Ton Cameroun aujourd'hui qui est dirigé par un robot, le Cameroun aujourd'hui qui est dirigé par quelqu'un pendant près de 40 ans, tu ne peux pas aimer la Côte d'Ivoire que le Cameroun. À chaque fois, c'est vous qui êtes là. En train de parler. Si ce n'est pas Nathalie Yam, c'est Franklin Yamsi, ou bien c'est Saïd Pada. Mais vous avez quel problème? Vous n'avez pas un pays? Je vais très bien, mon frère, Chang le Dozo. Est-ce que vous n'avez pas un pays? Est-ce que vous n'avez pas un pays où vous pouvez aller parler de ce problème-là? Mais je le dis aujourd'hui, j'interpelle aujourd'hui les cadres du RHDP. Faites très très attention. Faites très très attention. Parce que ce que les Ivoiriens doivent retenir, la RTCI, là, ça a toujours été dirigé par des cadres du PDCI. Aujourd'hui, le PDCI ne supporte pas les personnes qui sont cachées dans l'ombre et qui sont membres du PDCI, qui sont aujourd'hui à la RTCI, là. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de manipuler Saïd Panda. À dénigrer. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de manipuler Saïd Panda. Mais je vais vous dire, je ne vais pas m'amuser, je vais venir dire vos noms ici. Ne soyez pas pressés, je vais venir dire vos noms. Pour que l'État ivoirien comprenne. Je le dis haut et fort, le président Ouattara a toujours travaillé pour aider l'opposition, pour faire en sorte que ce qui s'est passé dans le passé là, ne se répète plus. Mais je vous dis, aujourd'hui, là, le PDCI, malgré aujourd'hui, ils sont en train de crier matin, midi, ils sont en train d'insulter le président Ouattara. Malgré qu'ils critiquent, il y a des postes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dès que tu enlèves un gars du PDCI là-bas et que tu déposes quelqu'un, leur machine commence à s'attaquer à la personne. Et nous sommes au courant. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Quand toi, Saïd Panda, tu viens t'asseoir pour dire que la DG de la RTCI a déposé son petit frère, le problème, ce n'est pas son petit frère. Est-ce qu'il a les compétences ou non? Il a les compétences ou non? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences? Jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore venu nous dire que le poste où on l'a déposé, là, il ne le mérite pas parce qu'il n'a pas le niveau. Mais tu es dans un combat. Mais je te le dis haut et fort. Moi, j'ai toujours interpellé les cadres du PDC, du RHDP. C'est vrai. Hein? On doit être. Comment on appelle. La Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement au RHDP. J'ai compris. Mais il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait qu'on fasse attention. Aujourd'hui, regardez le cas de Charles Blé-Goudé qui est rentré en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui le comportement de Charles Blé-Goudé en Côte d'Ivoire. C'est là que vous devez vous comprendre une chose. Que dans la réalité, là, la seule raison pour laquelle aujourd'hui Laurent Gbagbo n'est pas d'accord avec Charles Blé-Goudé, c'est une seule raison. Parce que Laurent Gbagbo voulait que Charles Blé-Goudé reste en Europe ici et commence à s'attaquer au président Ouattara. Mais jusqu'à preuve du contraire, toi, le militant du RHDP, le cadre du RHDP, tu n'as pas encore compris? Quand Pichéri Balé sort de prison, et puis elle dit qu'elle s'en va saluer Henri Kounabédié. Quand Pichéri Balé sort de prison, et puis elle dit qu'elle s'en va saluer Henri Kounabédié pour lui dire merci, et que le PDCI prend ça pour déposer ça sur les réseaux sociaux, toi, le militant du RHDP, tu n'as pas encore compris que ceux-là, ils n'ont rien compris encore dans la politique ivoirienne. Pichéri Balé a un parti politique. Mais quand on l'a arrêté la dernière fois, là, effectivement, Henri Konan-Bédié est en train de demander qu'on la libère. Ça veut dire que dans la réalité, tout ce qui est en train de se passer, je le dis haut et fort, ce que Pichéri Balé fait là, c'est les partis de l'opposition qui sont cachés dans l'ombre en train de la soutenir. Ils sont cachés dans l'ombre en train de la soutenir. Sur ce que Pichéri Balé a fait aujourd'hui là, il y a des gens, il y a des gens
qui ont été détruits. Il y a des gens qui ont été détruits par Henri Konabédié quand il était au pouvoir, alors qu'ils n'ont même pas fait la moitié de ce que, comment on appelle, Pucheli Balé a fait. Mais Henri Konabédié s'assoit pour demander la libération de cette personne. Je le dis haut et fort, tu prends aujourd'hui un cadre caché du PDCI, tu le déposes comme ambassadeur en France. Je vous dis haut et fort, quand il vient, son premier boulot qu'il fait, c'est un nettoyage d'abord. Vous n'avez pas compris ça. Mais pas, comment on appelle, Saïd Panda, je vais te dire quelque chose. Je viens du Bafing. Je te dis ça en même temps, hein. Je viens du Bafing. Il faut t'asseoir, il faut demander aux gens, qu'est-ce qu'on appelle le Bafing? Mais je vais te dire, ça dit que les réseaux sociaux là, toi et moi, on va s'allumer dessus. Parce que moi, ce que je veux savoir, tu viens t'asseoir en Côte d'Ivoire, et puis tu es là matin, midi et soir, c'est toi qui sais ce qui se passe dans notre pays. Dans ton propre pays, cette année 2023, là seulement, on a tué deux journalistes. On a tué deux journalistes dans ton propre pays au Cameroun. Pourquoi tu n'as pas allé mener enquête sur ça? Tu sais mener enquête. Pourquoi tu ne mets pas enquête sur ça? Des enfoirés que vous êtes. Mais je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, là, hein? Aujourd'hui, les Pulcheri Balé, avec les, comment on appelle, les Saïd Panda, ils sont en train de travailler en cachette pour l'opposition ivoirienne. Parce que je vous pose une question. Saïd Panda, toutes ces enquêtes-là, c'est pour dire que tel BG a détourné, tel ministre a détourné, lui-là, il a détourné. Mais je vous dis, est-ce que tout ce qu'on fait dans le pays-là, c'est mauvais? Est-ce que vous avez vu Saïd Panda faire des postes, soutenir un cadre pour dire que vraiment, ou bien soutenir un DG pour dire que vraiment il est en train de bien faire son travail dans le pays? Mais toujours, c'est lui qui est là en train de dire, lui il a détourné, lui il a détourné, lui il a fait comme ça, lui il a fait comme ça. Est-ce que tous les DG en Côte d'Ivoire ont détourné l'argent? Mais pourquoi ceux qui ne détournent pas selon lui, qui travaillent bien, pourquoi il ne fait pas leurs éloges? Mais il est toujours là, tout ce que lui sait faire, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Mais je vais te dire, tu as commencé ton truc en Côte d'Ivoire, mais je vais te dire, tu arrives à ta fin. Tu arrives à ta fin. Parce que tu te dis journaliste. Si tu étais vraiment journaliste, et regarde, les personnes que tu as attaquées là, tu as tapé Diaby Lassina ici, mais Diaby Lassina est en train de servir son pays. Nawa Bamba, épouse Touré, DG aujourd'hui, de la ARTCI là, elle est en train de servir son pays. Elle est ivoirienne, elle n'est pas camerounaise. Faut venir me montrer sur la toile un ivoirien qui s'assoit matin, midi et soir. Et puis c'est de la politique camerounaise qui parle. C'est vous qui êtes toujours des intellectuels. Mais vous êtes intellectuels pour parler dans le pays des autres. Mais votre intellectualisme, ça ne concerne pas votre pays. Vous êtes des intellectuels, mais vous êtes aveuglés sur la réalité de votre pays. C'est dans ton pays aujourd'hui, là, on tue journalistes. Dans ton pays aujourd'hui, on tue journalistes. Mais vous ne parlez pas de ça. Dans ton pays. Dans ton pays aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui gouverne aujourd'hui ce pays-là, qui marche avec pile. Depuis 40 ans, il est en train de gouverner. Tu ne connais pas là-bas. Tu es quel genre d'intellectuel? Ton pays a organisé la Coupe d'Afrique. L'argent qui vous a été attribué pour construire des stades, tu as détourné cet argent. Et c'est toi qui viens t'asseoir pour parler de la DG de la ARTCI. Je le dis haut et fort, dans quelques semaines, tu seras considéré comme un clandestin en Côte d'Ivoire. Parce que quand la carte de séjour va arriver, il faudrait que tu viennes nous déposer ta carte de séjour sur les réseaux sociaux. Parce que si tu ne viens pas déposer ça, tu seras clair, on va te demander tout simplement de rentrer dans ton pays. Parce que tu seras en situation irrégulière dans notre pays. Voilà pourquoi je continue aujourd'hui de dire merci au président Ouattara. Parce que trop, c'est trop. Afrique Éveil, salut à toi. Ma soeur, depuis ta position. Kone Ben, salut à toi depuis ta position. Parce qu'à un certain moment, trop, c'est trop. Moi, le Zoulou de Bogota, regardez, quand on a arrêté nos soldats au Mali, depuis que nos soldats ont été libérés, est-ce que vous m'avez vu parler de la politique du Mali? Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous m'avez vu parler de la politique du Mali? Ce n'est pas mon problème. Chacun a son problème.
Chacun a son problème. Mais c'est quand tu viens toucher mon chef d'État, quand tu touches mon pays, je sors contre toi. Assimi Goïta n'a qu'à faire ce qu'il veut dans son pays, c'est son problème. Mais prépare-toi, parce que toi, Saïd Panda, dans peu de temps, il faut que tu ailles payer ta carte de séjour. Faut que tu ailles payer ta carte de séjour. C'est toi qui es là matin, midi et soir. J'ai les preuves. J'ai les comme ça. Mon frère, tu as les preuves. Mais moi, je vais te dire, j'ai les preuves de ceux qui t'appellent à la ARTCI. Là. La preuve de ceux qui t'appellent à la ARTCI. Là. J'ai les preuves. La personne qui a détourné l'argent, l'ancien DG de la ARTCI. Là. J'ai les preuves que tu es en contact avec lui. J'ai les preuves que tu es en contact avec lui. J'ai les preuves. J'ai les preuves que ceux aujourd'hui qui sont en train de te commanditer, là, ceux qui sont en train de te pousser, là, je connais la vraie raison. Ceux aujourd'hui qui travaillent à la ARTCI, là, qui te poussent à t'attaquer à la DG qui est là actuellement, là, parce que dans la réalité, ils veulent la considérer comme coupable des actions que ton ancien gars là a mobilisées. C'est ça. L'ancien DG de la ARTCI qui a fui avec l'argent, qui a détourné l'argent la première fois là-haut, Saïd Panda, l'ancien DG de la ARTCI là, tu étais en train de mener tes enquêtes. Quelle enquête tu as menée sur lui? Mais ces anciens éléments qui sont là-bas, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de te manipuler pour que tu sortes contre cette dame. Et nous sommes au courant. Nous sommes au courant. C'est ceux-là qui te manipulent. Ce que tu oublies, ce que tu oublies. Les mêmes personnes aujourd'hui qui te contactent là ont contacté d'autres cyberactivistes sur les réseaux sociaux afin de dénigrer cette dame. Mais eux, ils ont refusé. Donc quand on te voit aujourd'hui sortir là, ça ne nous surprend pas. Parce que les manipulations, elles n'ont pas pu faire ça avec nous. On connaît la vérité. Sinon, si elle était coupable de quelque chose là, elle était l'adjointe de l'ancien DG qui a détourné. Mais pourquoi c'est lui qu'on l'a enlevé? Et puis elle, on l'a maintenu. Parce qu'elle a toujours eu la main propre. Parce qu'elle a travaillé toujours pour servir son pays. Elle a toujours travaillé avec rigueur. C'est ce qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. Et puis ton boulot, c'est de vouloir détruire la vie des autres. Si tu étais un vrai journaliste, si tu méritais effectivement, comme tu le dis, comme tu veux nous faire croire, que tu es un grand journaliste, je pense que ton pays, le Cameroun, aurait besoin de toi. C'est eux qui sont versés dans le pays des gens partout. C'est eux qui connaissent le problème des gens partout. Mais le problème de ton Cameroun, là, tu ne connais pas. Le Cameroun aujourd'hui, qui a des infrastructures de plus de 20 ans, de 25 ans, qui ne sont pas encore réalisées. Je le dis haut et fort, quand tu viens t'asseoir dans un pays, et puis toi tu trouves que c'est normal, parce qu'une personne a pris son frère ou bien sa soeur pour le déposer là. Non, ce qui est vraiment anormal, c'est de voir un Camerounais s'intéresser tant à ce qui se passe au Cameroun. Mais, je le dis haut et fort, j'interpelle ici le PCA de la ARTCI. Monsieur Coty, fais très attention. Oui, Monsieur Coty, fais très attention. Parce que je vais te dire, tout ce que tu es en train de combiner dans l'ombre à la RTCI, là, on est au courant. Oui, tout ce que... Voilà. Ce que tu es en train de combiner à la ARTCI, là, on est au courant. Toute la manipulation que tu es en train de faire aujourd'hui, là, derrière, parce que dans la réalité, celui qui était là avant, là, on sait ce que vous avez combiné avec cette personne. Et vous êtes aujourd'hui dans un combat où vous voulez coûte que coûte détruire cette dame. Parce que vous voulez dans la réalité que tout soit caché. Parce qu'elle est en train de faire sortir les vrais dossiers.
Donc, du coup, il faut se lever contre elle. Manipuler des gens qui vont venir faire les vidéos pour dire qu'elle est en train de mal gérer. Je le dis haut et fort. La Côte d'Ivoire où on est aujourd'hui, là, si on t'a déposé où tu dois gérer l'argent, tout le monde le dit haut et fort. On ne dit même plus que tu vas voler l'argent du pays. On dit c'est l'argent de Ouattara, toi tu veux voler. C'est le travail que Ouattara, toi, t'a confié, là, toi tu veux mal faire. On peut tromper le président Ouattara sur tout. Mais là où on parle d'économie, tu ne peux pas tromper le président Ouattara. Tu ne peux pas tromper le président Ouattara. Aujourd'hui, là, aucun DG en Côte d'Ivoire peut jouer avec les détournements d'argent. Mais ceux qui peuvent jouer, c'est ceux qui sont à côté d'eux. Parce que vous êtes dans une manipulation, on a compris. Parce que vous êtes là aujourd'hui, Monsieur Coty et tes acolytes à la ARTCI, là, méfiez-vous. De la même manière, vous poussez Saïd Panda à venir parler là. Nous aussi, on va venir s'asseoir et puis on va dire ce que vous êtes en train de combiner à la ARTCI. Et puis on va voir maintenant là, vous serez tous convoqués et puis chacun va aller donner ses explications. Voilà des pervers qui veulent gouverner la côte, qui veulent rester là en train de faire chose. Vous savez ce qui est mauvais dedans? C'est-à-dire, tu es l'entraîneur d'une équipe de football. Et puis il y a des gens qui travaillent à la fédération ivoirienne qui te disent. Ah, la dernière fois là, pour te choisir comme entraîneur, là, c'est nous, on a travaillé en bas pour qu'on te prenne comme entraîneur. Donc, j'ai mon neveu là qui joue au, comment on appelle, au Racing. Il faut le prendre, tu vas le mettre dans l'équipe nationale. Dès que cette personne me refuse, c'est fini. Il devient votre cible. On est au courant. Parce que dans la réalité, je vais vous le dire, la plupart de ces personnes-là aujourd'hui qui travaillent auprès de nos DG en Côte d'Ivoire, ça dit que. Ils veulent détourner l'argent. Ils veulent voler l'argent. Ils veulent prendre l'argent pour manger. Mais dans la réalité, quand l'affaire sort, puisque c'est toi qui es devant, c'est toi qui es la première personne qui tombe. Et eux, ils sont là. On ne les touche pas. On considère que c'est eux qui sont propres. Mais quand vous voulez qu'on parle, on va parler. Parce que cette histoire-là, Saïd Panda, je te le dis haut et fort, même si ceux qui t'envoient te demandent d'arrêter cette affaire-là, on ne va pas arrêter. On va aller jusqu'au bout. Mais il faut sortir avec les vraies preuves que tu as contre la DG de la ARTCI. Les preuves concrètes. Parce que quelqu'un qui vient s'asseoir, on lui pose la question, mais il y a quel problème, Saïd Panda? Non, elle a pris son petit frère pour le déposer là. Elle a pris son petit frère pour le faire comme ça. Elle a pris son petit frère. Je le dis haut et fort. Le président Ouattara dit. Si tu as mis ton enfant à l'école, et puis on t'a donné une place, et puis selon toi, ton fils mérite d'être ton fils là, il faut le déposer là. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui interdit à un père de nommer son fils ou bien son frère quelque part si celui-ci a les compétences. Mais quand tu as les compétences, même si c'est ton père qui est le ministre de la communication, et que toi tu es journaliste de formation, tout le monde sait que tu es journaliste. Et tout le monde reconnaît tes compétences. Ce n'est pas parce que ton papa est ministre qu'il ne peut pas te mettre comme le DG de la RTI. Ça n'existe pas. Mais le problème, il est où? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il a les compétences ou bien il n'a pas les compétences? Je vous donne un exemple. Si hier, le père de Lévi Niamke était ministre de la communication en Côte d'Ivoire, et puis le papa de Lévi Niamke le déposait comme le directeur de la RTI, qui allait se plaindre en Côte d'Ivoire? Si le père de Josué Kwasi Yoboué, que son âme repose en paix, était le ministre de la communication en Côte d'Ivoire et qu'il avait pris Joseph Yoboué pour le déposer comme directeur de la RTI ou bien le DG de la RTI, qui allait se plaindre? Personne n'allait se plaindre. Parce que tout le monde pouvait parler en Côte d'Ivoire. Mais les compétences journalistiques de Lévi Niamke, de Josué Kwasi Yoboué, personne ne pouvait discuter sur ça. Donc, quand toi aujourd'hui, tu viens t'asseoir et tu parles, toi tu te dis que tu es un journaliste. Mon frère, viens nous donner d'abord les informations du Cameroun. Viens nous dire aujourd'hui, parce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux. Mais je ne comprends même pas ces personnes. Je ne comprends pas ces personnes. Voilà des gens comme les Franklin Yamsi, Nathalie Yam, hein, Saïd Panda. Mais vous n'avez pas un pays? S'il y a un pays aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui est mal géré aujourd'hui?
S'il y a un pays entre la Côte d'Ivoire ou le Cameroun où c'est dirigé aujourd'hui par une ethnie, c'est où? Moi, ce que le Zulu de Bogota, je veux savoir de toi, Saïd de Panda. Viens me déposer blanc devant tout le monde les preuves que cette personne-là, elle a détournées. Viens nous déposer. En 6 mois, tu sors. Mais attends, quand elle était, et comment on appelle, depuis combien d'années elle travaille à la RTCI là? Pourquoi tu n'es jamais sorti pour venir dire qu'elle est en train de faire son travail et travaille mal? Mais ceux qui sont derrière, on les connaît. Mais je donne un nom. Mais je vais vous dire, à la direction de la ARTCI, là, tous ceux qui sont en train de manipuler, tous ceux qui sont en train de manipuler, tu viens t'asseoir aujourd'hui, tu parles de celle-là, tu dis qu'elle a mis son petit frère là-bas. L'ancien DG aujourd'hui qui est en train de te manipuler, il n'a pas ses parents qui travaillent à la ARTCI. Ses parents n'ont pas travaillé à la RTCI. Il n'a pas aujourd'hui des parents là-bas. Il n'a pas de frères là-bas. Pourquoi tu ne viens pas nous dire ça? Pourquoi tu ne viens pas nous dire qu'il a des frères là-bas, qui travaillent là-bas? Parce qu'aujourd'hui, là, ça les fait mal. Mais ceux qui sont là-bas, là, ils sont en contact avec l'ancien DG qui est recherché aujourd'hui par la Côte d'Ivoire, qui est recherché, qui a détourné l'argent. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, tu ne viens pas nous dire ceux qui sont en contact avec toi, là, qui t'ont mis en contact avec l'ancien DG? Pourquoi tu ne viens pas nous dire ça? Et c'est toi qui vas venir t'asseoir pour nous parler. Mais je vais te dire, cette fois-ci, là, on ne va pas se laisser. Un instant. Vous êtes là. Dans ton propre pays aujourd'hui, il y a un combat entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Tu ne parles pas de ça. Aujourd'hui, tu vis en Côte d'Ivoire, tu vis en paix. De la même manière, tu peux te promener aujourd'hui en Côte d'Ivoire. De la manière, tu es un grand journaliste en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux venir nous raconter tes frères camerounais qu'ils ont tués dans ces temps-ci au Cameroun? Eux, ils étaient en train de faire quoi? Eux, ils n'étaient pas journalistes? Eux, ils n'étaient pas journalistes? Hein? Eux, ils n'étaient pas journalistes? Le PCA, Diakité Souleymane Koti, là, faut venir nous dire que tu n'es pas en contact avec ces éléments. Viens nous dire ça. Donc vous pensez que c'est dans la manipulation, en voulant diffamer des gens, c'est là qu'on va l'enlever et puis on va vous déposer. Parce que vous êtes dans cette manipulation. Vous êtes dans cette manipulation. Parce que le président Ouattara est gentil. Le président Ouattara est gentil. Le PDCI aujourd'hui, il s'assoit, il parle. Mais il y a des DG de sociétés en Côte d'Ivoire. Il y a des grands fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Ils donnent jusqu'à présent des rations au PDCI par mois. Il y a un génocide au Cameroun aujourd'hui. Vous ne parlez pas de ça. On tue des êtres humains aujourd'hui juste pour des critiques. Ce que toi-même tu es en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu sais que même si demain tu t'es trompé et que tu es en Côte d'Ivoire et puis tu t'attaques à un DG au Cameroun, ou bien tu t'attaques à un ministre au Cameroun, tu sais qu'ils vont débourser des millions pour envoyer des gens derrière toi pour aller te chercher. Mais aujourd'hui, là, toi-même, tu es conscient de ça, comme tu aimes tes enfants. Comme tu aimes tes enfants, tu ne veux pas mourir, là. Tu préfères faire comme si le Cameroun n'existe pas pour toi. Non, mais mon frère, c'est anormal que le Cameroun n'existe pas pour toi. C'est anormal. Le Cameroun doit exister pour toi. Toi, tu dois toujours continuer de parler du Cameroun. Ce n'est pas possible que tu te taises. Ce n'est pas possible. Ce qui est anormal, c'est de voir un homme comme toi venir t'asseoir dans notre pays et de rester là toujours. J'aurais souhaité voir un jour un Saïd Panda sortir et féliciter un DG en Côte d'Ivoire pour dire que voilà un exemple, il est en train de bien travailler. Mais toujours, c'est toi qui as dossier sur les gens. Toujours, c'est toi qui sais que telle personne a détourné. Au Cameroun, là, les gens travaillent bien. Même aujourd'hui, l'équipe nationale de ton Cameroun, vous parlez sans bas, on parle avec vous. Quand on parle avec vous, vous dites que vous n'êtes pas content aujourd'hui de Samuel Eto'o. On vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas content de Samuel Eto'o? Que parce que l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, là, c'est son ethnie seulement, il a déposé dedans. Il dit que c'est son ethnie, ça dit qu'il est président de la Fédération Ivoirienne de Football. Donc, c'est les gens seulement de sa région là qu'il prend pour déposer dans l'équipe nationale de football.
Mais c'est ce que vous, les Camerounais, vous nous dites en bas. Est-ce que nous, on est au Cameroun? Est-ce que nous sommes Camerounais? Nous, on n'est pas Camerounais. On n'est pas au courant. Mais vous venez nous expliquer ça. Mais vous ne pouvez pas parler. Quand on vous pose la question aujourd'hui, vous dites que Paul Biya est en train de diriger le Cameroun avec sa tribu. Mais vous ne venez pas nous dire ça. Vous venez vous asseoir, vous trouvez qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on retourne l'argent. Mais l'homme qui dirige aujourd'hui ton Cameroun depuis combien d'années là? Il a été tout. Est-ce que Nawa Bamba, les DG là, Diaby Lassina que tu as parlé de lui, Diaby Lassina a détourné l'argent en Côte d'Ivoire que Paul Biya? Les DG aujourd'hui que tu à qui tu t'attaques là? Mais je vais te dire, c'est les mêmes personnes qui te chargent de venir parler sur les réseaux sociaux, de venir t'attaquer à Nawa Bamba, épouse Touré, DG de la ARTCI là. Les personnes qui te poussent là, je te le dis, moi, je vais pousser ces personnes-là à t'appeler pour te dire, il faut arrêter cette affaire. Je vais pousser ces personnes-là, elles-mêmes, là, ils vont venir s'asseoir pour te dire, il faut arrêter tes attaques que tu es en train de faire. Parce que eux-mêmes là, je te le dis haut et fort, le ministre même va les appeler pour venir faire chose. Vous êtes là. Vous venez vous asseoir dans le pays des gens. Et c'est vous qui créez un noyau sur les réseaux sociaux. Avec vos frères. Quand vous êtes en direct, 10 000 francs seulement, ils vont commencer à partager pour salir les gens. Hein? Il faut d'abord chercher à t'acquitter d'abord de ta carte de séjour en Côte d'Ivoire avant de commencer à parler. Même la dernière fois, les Soros sont sortis. Ils vous ont dit que c'est anormal. Que dans votre pays, on est en train de tuer des gens. Tu es un journaliste camerounais, tu n'es pas journaliste ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Donc, laisse-nous faire notre politique comme on veut. Laisse-nous faire notre politique comme on veut. Tes gars qui t'appellent à la ARTC, là, je t'ai dit. Aujourd'hui, là, on est ensemble, hein. Je te dis, ça là, c'était ton bonjour. Mais l'après-midi là, on va parler encore. Le soir, toi et moi, on va parler. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. On ne va plus permettre que vous venez vous asseoir pour raconter des balivelles sur notre pays. Ce n'est pas possible. Il faudrait maintenant que ça s'arrête. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je faisais ce direct là aujourd'hui pour m'adresser à Saïd Panda. Ce Camerounais qui aujourd'hui a pris pour rôle à chaque fois de vouloir s'attaquer à nos DG. Des personnes à qui le président Ouattara a eu confiance. Des personnes à qui le premier ministre a eu confiance. Des personnes aux qui les ministres de tutelle ont eu confiance pour les déposer quelque part. Faites attention à ce monsieur. Ce monsieur est en train de travailler pour l'opposition. Ce monsieur est en train de travailler pour l'opposition ivoirienne. Je vous le dis haut et fort. Ce monsieur travaille pour l'opposition ivoirienne. Donc faites très attention. Saïd Panda travaille pour l'opposition ivoirienne. Je vous donne un exemple. L'arrestation de Peter 007 qui voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les Saïd Panda parler dedans? Quand on arrête les Pichéri Balé qui vont s'asseoir au Mali, est-ce que vous avez vu Saïd Panda parler dedans? L'arrestation de nos soldats au Mali pendant près de 4 mois. Est-ce que vous avez vu Saïd Panda parler dedans? Saïd Panda n'a jamais parlé. Parce que dans la réalité, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la protection. Ce n'est pas le fait que le pays fonctionne bien. Saïd Panda ne s'attaque pas aux personnes qui se mettent dans la position des personnes qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais, comme les autorités ivoiriennes ne veulent pas parler, je vais organiser des directs et puis je vais donner la possibilité à des Ivoiriens de s'adresser aux autorités ivoiriennes. La dernière fois, on a demandé à un Camerounais de laisser notre pays. Saïd Panda doit être dans cette même position. Saïd Panda doit être expulsé de la Côte d'Ivoire. Il doit aller dans son pays. Parce que moi, le Zoulou de Bogota, je le dis, aucun Ivoirien ne peut aller au Cameroun et pas.
parler de la politique du Cameroun comme les Saïd Pamba se permettent en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien. Toi, un Ivoirien, aujourd'hui, tu t'en vas au Cameroun. Je ne te dis même pas que tu as fait 10 postes pour parler de la politique ivoirienne. Du Cameroun, va au Cameroun, il faut faire seulement un seul poste. Ou bien même va au Cameroun, ils n'ont qu'à t'inviter dans une télévision privée. Et puis tu vas te tromper pour parler seulement de la politique. Critiquer les hommes politiques. Le lendemain, on te demande de rentrer chez toi. Qu'il parle de ce qui se passe dans son pays, c'est de ça que je parle. Il faudrait que tu te concentres sur ce qu'on est en train de parler dans ton propre pays. Tu es Camerounais, il faut être fier d'être Camerounais. Ce n'est pas nous qui avons fait de toi Ivoirien et Camerounais. Et tu n'as aucun droit, tu n'es pas un citoyen Ivoirien, tu n'as pas acquis la nationalité Ivoirienne. Tu as quel problème? Tu as un pays, occupe-toi de ton pays. Est-ce que vous avez vu Saïd Panda faire des poches pour faire des éloges sur ce que le président Ouattara est en train de faire? Est-ce que vous l'avez vu faire un poste pour féliciter Patrick Hachi? Vous l'avez vu faire un poste pour féliciter l'un de nos ministres en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous l'avez vu faire des poches pour féliciter ce que Bakongo de ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vous l'avez vu faire un poste un jour pour soutenir Kandia Camara? Pour dire qu'elle est en train de bien faire? Mais toujours, il est dans la position. Parce que ce que les gens doivent comprendre, quand on accuse un DG de détourner de l'argent sans pour autant avoir les preuves, dans la réalité, il est en train de s'attaquer indirectement parce que c'est pas ce qu'il fait. Si aujourd'hui, les France 24 repèrent et puis ils viennent dans leur journal, qu'est-ce qu'ils vont dire? Jean Lapèche, merci beaucoup pour l'intervention. Tu dis qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de signaler mes directs. Je le sais, parce que je le dis haut et fort. Derrière ce que Saïd Panda est en train de faire, il y a une grosse machine qui est là. Il y a une grosse machine qui est là. Donc quand il se met sur la toile et puis il commence à parler, dès que quelqu'un sort pour le contrarier sur ce qu'il est en train de dire, je sais qu'il y a ces éléments qui travaillent depuis le Cameroun. Saïd Panda ne travaille même pas avec des jeunes Ivoiriens, il travaille avec ses frères camerounais. Ils ont créé des faux postes, des faux comptes. Dès que tu es en direct et que tu commences à t'attaquer à lui, automatiquement, il commence à te signaler. Je le sais. Excusez-moi, hein, y a quelqu'un qui appelle là. Allô? Oui? Bonjour. Oui? Merci beaucoup. Ne quitte pas. Attends que je mette le haut-parleur. Ok, frère, on t'écoute là. Allô? 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 Oui, allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'attends. Ok, Saïd Panda, c'est un autre cheval de Troie. Oui. Le cheval de Troie, il a plusieurs têtes. C'est une hydre à plusieurs têtes. Oui. Il y a Franklin Nyamsi. Oui. Ça, c'était autour de Soro. Et puis, là, lui qui a fui la semaine dernière, que c'est Crachot a réussi à faire fuir avec l'Adji Chérif et puis Johnny Patio qu'on a réussi à faire fuir. Oui. Et puis, à cette peine, il y a d'autres encore qui sont cachés. Donc, nous avons, la Côte d'Ivoire a besoin d'être protégée. Oui. Nous, les enfants, nous, les Ivoiriens, on doit protéger la Côte d'Ivoire. C'est ça. Les Camerounais qui se disent qu'ils sont intellectuels, ils peuvent faire leurs vidéos où ils sont, mais ils ne peuvent pas rester en Côte d'Ivoire pour faire leurs vidéos sur la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Parce que Saïd Panda, tout ce qu'il fait, c'est des critiques. Des critiques pour vilipender les cadres du RHDP, pour vilipender les cadres qui gèrent le pays. Parce que c'est... Le RHDP a mis des cadres qui sont neutres, qui ne... Il vient, en mercenaire, il vient pour discréditer ses dirigeants et responsables qui gèrent le pays. C'est ça. C'est pas normal. Cette peine doit être mis hors d'état de nuit par tous les moyens. C'est ça. Tous les moyens légaux, je précise, tous les moyens légaux doivent être mis en place pour le chasser du pays ou bien pour lui dire de se taire. C'est tout. Il y a des critiques à faire, qu'il fasse ces critiques-là sur d'autres pays, mais pas sur la Côte d'Ivoire. C'est tout.
Le temps et l'énergie qu'il prend pour critiquer nos cadres ivoiriens là, il prend même pas 10 secondes de ce temps-là pour critiquer la gestion de Paul Biya. C'est ça. Paul Biya, ça fait plus de 40 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né à la prise de pouvoir de Paul Biya, aujourd'hui la personne tend à 42 ans. Mais une personne qui a 42 ans, si c'est chez les Blancs ici, quelqu'un qui a 42 ans, il n'est plus loin de la retraite. Parce que les Blancs travaillent tôt. Les Blancs qui travaillent à partir de 18 ans, il est déjà opérationnel. C'est ça. Donc à 42 ans, il prend sa retraite déjà. Presque, il est presque à la pré-retraite. C'est ça. Mais si c'est en Afrique, à cause du taux d'insertion des gens et puis du secteur informel, quelqu'un qui a 41 ans, 42 ans, il est déjà grand-père. C'est Il est ça. déjà grand-père. Pourquoi lui, Saïd Pena, il ne parle pas sur Paul Biya, sur sa gestion, sur les crimes que Paul Biya fait? Martine Zogo, là, ça c'est ce qu'on voit. Et les crimes et les guerres qui se passent, que Boko Haram attaque les zones anglophones du Cameroun. Et puis le pétrole, le carburant frelaté qui tue les gens au Cameroun là-bas. Pourquoi lui, il ne fait pas de trucs sur ça? La Coupe d'Afrique a été organisée par le Cameroun. Un seul stade a coûté plus de 30 milliards. Et puis c'est un stade qui n'est même pas fini. Pourquoi il ne parle pas de ça, de ce détournement de fonds là? Pourquoi il ne parle pas de ça? Pourquoi il ne parle pas de ça? Il parle seulement de la Côte d'Ivoire pour montrer la mauvaise gestion, pour dire la manipulation, pour dire qu'il y a des cadres de RHDP qui sont en train de se torpiller. Qu'est-ce que ça du RHDP? C'est que, excuse-moi, hein, vous n'êtes pas unis entre vous. Sinon, ça là, vous devez faire une réunion, contacter tous les cyberactivistes du RHDP, toutes tendances confondues. Contacter une réunion en inbox. Voilà le sujet qui est là. C'est sur ça qu'on doit cibler pour protéger la Côte d'Ivoire. Et une des manières de protéger la Côte d'Ivoire, c'est de défendre la Côte d'Ivoire contre toute agression extérieure. Regarde aux États-Unis ici, ou bien au Canada. Quand il y a un événement qui attaque, un événement qui concerne le pays, les opposants se mettent ensemble, les opposants se mettent ensemble avec le gouvernement pour défendre l'intérêt Merci du beaucoup, pays. Monsieur Nakim Et Fofana. là, par exemple, la semaine dernière, les Chinois, dans le ciel américain pour espionner. Frère, attends, je te rappelle, hein, je te rappelle un instant. Je te rappelle. Allô? Oui, maman, donne-moi un instant, je vais t'appeler parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir. Je vais finir, je vais t'appeler. Allô, frère. Soit, je ne sais pas, Johnny Pacheco, Rachel Carasso, tout, sur une série, toi y compris, mais vous devez mettre un sujet ensemble et puis chacun fait des vidéos à Excusez-moi, hein. Assita Koulibaly, salut, salam alaykoum à toi, mon frère, ma soeur. Oui. Je dis que vous devez vous mettre ensemble pour faire Oui. effet boule de neige. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, ça porte loin, là, ça porte très loin. Merci Il faut beaucoup. connecter, il faut prendre, tu es l'un des plus âgés des cyberactivistes là, prends cette initiative, commence à mettre cette plateforme en place pour essayer de rassembler. On n'a pas dit que vous devez faire les réunions ensemble, non, peu importe vos idées. Mais dites, les gars, est-ce que tu reconnais le mal qui est fait à la Côte d'Ivoire par ce monsieur? Ils vont dire oui, je reconnais le mal. Ok, donc voilà ce qu'on peut faire. Moi, j'ai fait ma vidéo. Toi, tu fais une autre vidéo. Je n'ai pas toujours fait une autre vidéo. Larry Sherif fait une autre vidéo. Rachel Carasso, comme ci, comme ça. Et ça va porter loin. Mais Frère, tu dois changer de je te sujet. donne un exemple. Même tout à l'heure, ce que j'étais en train de dire. Est-ce que depuis qu'on connaît ce Oui. Saïd Panda, est-ce qu'il a fait un poste un jour sur le président pour le féliciter pour ce qu'il est en train de faire? Non. Et Est-ce puis, que tu l'as vu un on s'en jour, fout qu'il fasse avec ça. toutes les On s'en infrastructures fout qu'on est qu'il en fasse train de ça. faire en Côte d'Ivoire, il ne fait jamais de publicité sur ça?
Écoute, Oui. écoute, Zulu Bokota, on ne Oui. demande même pas qu'il fait ça. Il n'est pas un voleur, on ne veut même pas qu'il fasse ça. Voilà. Parce qu'en le faisant, ça va être un cheval de Troie pour dire qu'il est en train de. Il est pour nous alors qu'il est contre nous. On ne veut même pas Merci. qu'il fasse ça. Oui. Nous, on dit qu'il s'occupe de son Salam Cameroun alaikum à natal. toi, mon frère. Amara Bakayoko, salut à On toi. dit Merci. qu'il s'occupe de son Cameroun natal. Voilà. J'ai Il dit, s'occupe. regarde. On va me dire Tu qu'il s'est sais, marié. je vais te dire quelque chose, On va me hein. dire qu'il a marié à une J'ai voisine. dit, Comment on je veut vais ça? te, dire quelque Ouais. chose. Cette histoire de la ARTC dont il est en train de parler là, non. Tu comprends? Ça dit que les anciens qui étaient avec l'ancien DG là, qui a fui le pays aujourd'hui là, Oui. c'est les personnes là aujourd'hui qui sont en train de le manipuler pour lui dire que la dame a détourné l'argent. Et puis bon, admettons, mais elle a détourné, c'est l'argent de ton pays, tu es ivoirien? Mais voilà, c'est ça. Même Non, si la attends, dame, même si admettons, la mais dame qu'elle a a donné détourné, l'argent, c'est ton argent? même si la dame a donné l'argent, les milliards qu'ils ont donné au Cameroun, il a parlé de ça une fois. Il n'a jamais parlé de ça. Et puis non seulement ça, Les milliards qu'ils ont donné au Cameroun, il a parlé de ça. la personne aujourd'hui qui est recherchée par les autorités ivoiriennes d'avoir volé là, qui a fui le pays là, il est en train de se promener entre la France et le Maroc ici là. Il parle pas de ça, hein. L'ancien DG, où c'est reconnu qu'il a détourné, il parle pas de ça. C'est la nouvelle qui est assise là, là, où il n'y a aucun problème là. C'est de ça que lui parle. Frère, dis-moi la vérité. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui est derrière? Mais Saïd Penda, c'est un cheval de Troie. Il est venu pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il doit être mis hors d'état de nuire. C'est qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Bien sûr, mon très C'est cher un frère Amara mercenaire. Bakayoko, c'est la reprise. Saïd Penda, c'est un mercenaire. Voilà. Le Il digne doit fils du être Bafing est mis là. hors d'état de nuire. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Il y a une maman qui est en train Voilà, d'insister depuis merci. là. Vraiment, Ok, merci. Merci merci. infiniment. Ok, merci. Merci. On va finir si on avait un Il y a Ismaël qui vient là. Attends, je trouve. Mais là. Allô? Oui, C'est allô? Zulu. Oui. Oui. Aniche. En bas. Anaya la chim. Merci. Merci beaucoup, maman. Avemikalani. Atakalawataraye. Voilà. Avaya la junya bela. Komikala kakeme. Atena son doyon gawarema. C'est ça. Foy ma diakoubo. Saïd Pendani. Comment aller à Rakalo? Ninki bla watara ti jabi, mais ala bi jabi. C'est ça. Ala le wurla sa yidi penda ko. C'est-à-dire, ika yengi wele, ika jususuma mi la ne rekambi na jara la wotala e. Kwa di Là, wabi ka sa wwe. Inch'Allah. Asi ika lo, ojo be obora wakati do, o kwa nya ke koroba ni bubu si se tuwe mali korofola. C'est Saïd Penda qui a appelé Abdoul Niang pour dire que l'audio là c'est authentique. Ouais. C'est Saïd Penda qui a appelé Abdoul Niang pour dire que c'est authentique. Abdoul Niang a de bonnes affaires, du yabek à main. Wallahi, avec Mikalani, du yabek à reba loko, aya quoi du voir kadiaye bia kadiaye sini. Voilà. Malien dans tout le pays, il y a d'années. Mais si ça connaît, il y a le corossi. La Guinée pareil et Burkina pareil. La Guinée quand on fait, ferraille nous. Au cas y a du homme, au bas n'est pas tara. Au fond, au lieu de trouver un ami, on y a le du homme. Au lieu d'amener un golo, on veut la Guinée. On veut encore un ferrage qui est. C'est-à-dire, ayant ira au laire, on va plus accepter. Alors qu'on est encore à Yana, on a plus de force. Mais Allah a barakadou à l'oubou là. Amina et Rabbi.
Allez, Saïd Penda, comme il a fait, c'est vrai, Saïd Penda travaille pour les opposants. D'ailleurs, même, c'est grâce à Gbagbo que les Camerounais ont envahi notre pays. C'est Gbagbo, le tueur là, avec ses deux pieds gauches là. Elle pense que les enfants qu'ils ont tués là, quand ils disent qu'on est parti à la haie, on nous a blanchis. C'est les humains qui vous a blanchi, mais Dieu ne va pas vous blanchir. Dieu ne va pas les blanchir. Vraiment, ta vidéo m'a tellement plu, fallait que j'intervienne. Merci beaucoup, maman. Donc, Merci beaucoup. Merci voilà beaucoup. mon mot. Merci. Voilà. Merci. Maman, tu veux me faire ta faute. Saïd Pena, il Inch'Allah. Inch'Allah. y On va a organiser le l'eau direct. Les gens vont venir à intervenir. Il faut que Saïd Panda, faut qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Aya ses moyens politiques. Il n'a qu'à aller dans son pays. C'est-à-dire, c'est Rachel Crasso même qui nous a ouvert les yeux. Tout le monde n'a qu'à parler de ça. Notre autorité n'a qu'à savoir qu'on n'aime plus les Camerounais. À cause de Franklin Yamsi, on ne veut plus un Camerounais dans notre gouvernement. C'est fini. On en a marre. Ouais. Ok. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci pour ton intervention. Pourquoi Vraiment, tu merci. m'envoies? Merci. Allah baraka do Allah ka Mais, yo Amina, mamay. Amina, Amina. Ok. Avec si ta mina sinika to no sera de ya sera mama de ya sera na tu sama. Amina. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, ça c'était l'intervention d'une maman, mais comme je vous ai dit, on ne va pas tout parler aujourd'hui. On a fini de parler de 1 heure de temps. Mais comme Saïd Panda, il a parlé dans son direct, il a parlé des trucs qui sont anormaux. Parce que je vous donne un exemple. Saïd Panda, tu ne travailles pas à la ARTCI. Saïd Panda ne travaille pas à la ARTCI. Mais c'est Saïd Panda qui sait que cette dame-là comment on appelle, a nommé son petit frère là-bas. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui lui a donné des informations. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là-bas qui, selon lui, a trouvé que c'est anormal. Mais où est-ce qui est anormal dedans? Non, qu'est-ce qui est anormal dedans? Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. C'est à votre frère le Zoulou de Bogota. Je reviendrai encore sur cette histoire du DG de la ARTCI en Côte d'Ivoire. Digne femme du Bafing, digne fille du Bafing. Moi, toi, Saïd Panda, tu vas venir t'attaquer à une comment on appelle, à une digne fille du Bafing. Tu vas me trouver sur ton chemin. On est ensemble jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Et ça ne m'intéresse même pas de parler de la politique du Cameroun. Ça ne m'intéresse pas d'aller au Cameroun. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire. Ce qui est normal pour toi, avant de vouloir parler de ce qui est anormal pour les autres, d'abord, ce qui est normal d'abord pour toi, c'est de parler d'abord de la politique de ton pays. Avant de parler de ce qui est anormal pour les autres, avant de critiquer les autres, il faut d'abord savoir est-ce que toi-même tu es sur la vérité. Je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Merci à vous et bonne soirée. Ces questions, on se reprend. Comment on appelle on se reprend plus tard. Mon très cher frère, je te rappelle tout à l'heure après le direct pour qu'on en parle. Merci beaucoup et bonne soirée.